Alors, à ce que je vois, on ne décroche toujours pas des folies d'aliénation mentale de Monsieur Ringuette. Oh, que voulez-vous, mon absence est justifiée. Je me suis trouvé un emploi chez IGA. Maintenant, je coupe du salami et ça a beaucoup plus de sens dans ma vie depuis ce temps-là. Et d'ailleurs, Scrap Opera, sa fin, je ne l'ai jamais acceptée. Et sachez qu'en revanche, j'ai décidé de remplacer mon ancien collègue par un cochon. Oui, Queenie le cochon. Avez-vous quelque chose à dire contre ça? C'est moi qui ai la commande ici. J'aurais bien dit les commandes, mais il n'y en a qu'une. Alors, fermez-la, c'est moi qui parle. Et puisque je trouve que vous êtes d'une ingratitude sans nom, laissez-moi donc vous présenter ma capture. Il s'agit de Queenie le cochon. Regardez-la. N'est-ce pas le visage de Scrap Opera? Ou est-ce plutôt son bac à litière? Peu importe, c'est moi qui ai la commande, d'accord? Alors, si quelqu'un s'oppose à cette, encloison du cochon, qu'il se manifeste, je m'en fous, j'ai un boulot chez IGA, je dois aller couper du salami. Pourquoi ne pas couper le magnifique cochon? Parce qu'il est magnifique et que c'est tout ce qui me reste de Scrap Opera. Allez chier et que le peuple m'entende. Allez-y, qui va te sauver, petit cochon? Certainement pas moi, j'ai rendez-vous chez IGA. À la revoyure. Oh, faut tout leur expliquer, bordel. Fatality! Vision! Come here! Fatality! Finish him! Come here! Finish him! Fatality! Huh? 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 Tiens, t'es libre, mon cochon.
Y'en a pas un qui va t'envoyer! Y'en a pas un qui va t'envoyer, pas au moins! Tiens-toi tranquille, sinon je fais des slices de salami avec toi! Alright! Mission accomplie! Alors... Vous vous demandez sûrement comment ça se fait que je suis déjà de retour? Ils m'ont congédié pour 4 minutes de retard! Vous parlez d'une excuse de merde! Ah, et puis bof, je vais m'y faire! De toute façon, il y a beaucoup plus d'emplois plus intéressants que de couper du salami au salaire minimum! Je m'en fous! Alors... Oh non! Qui a osé libérer le cochon? Manifestez-vous! Qui a pris Queenie le cochon? C'est mon cochon, bordel! Ah, oh, putain de job de merde! Je savais que je ne pouvais aller couper du salami sans me faire voler mon cochon! Ça y est, c'est décidé! J'en appelle à la déesse de l'été et je suis toujours aussi athée! Manifeste-toi, je veux retrouver mon cochon! Hey! Allez, va. L'autre côté. Je t'ai enfin retrouvé. Ça vous apprendra à ajouter de mes capacités. À la prochaine. Je t'aime, petit cochon. La morale de l'histoire. Ne traitez jamais quelqu'un de cochon, car vous pourriez très bien en devenir un vous-même. Et puis gomme. Regardez, moi-même, j'en suis devenu un. Oh, et puis bonne nuit. Allez, Queenie, avale tout. C'est ce que nous sommes, des cochons. Allez, Queenie, un sourire pour la caméra en l'hommage de Scrap Opera.